La SHF présente les champions des CIR. Très bien, il a fait sans faute hier. Et aujourd'hui, sans faute, plus rapide. C'est un cheval qui est assez froid dans sa tête. Quand on le voit comme ça au paddock ou au marché, on se dit oh, il a pas trop de sang. Mais arrivant en piste, il en a bien assez. Et non, non, très bon comportement comme tout le long de la saison. On l'a récupéré à 3 ans, au championnat de 3 ans à Saint-Lô. Et j'ai fait les 4 ans avec, il a fait une très très bonne saison de 4 ans. Il n'a fait que du sans faute. Il était 5e des championnats, il était élite. On est allé à Saint-Lô pour Master Match Talon. Il était aussi 3e. Après, il a été approuvé Talon. À 5 ans, il n'a pas fait une très très bonne saison. Il a fait 3 ou 4 fois 4 points, le reste c'est que du sans faute. Et je pense qu'il. C'était un peu bizarre, on ne peut pas dire qu'il s'ennuyait un petit peu parce que ce serait prétentieux, mais je sais pas, ça ne passionnait pas tant que ça les 5 ans. Et là, à 6 ans, il a fait. J'ai fait 8 fois, je crois, les 6 ans. Et 6 fois, une fois deuxième, une fois 4 points. Donc ça va, il gagne aussi, hein, donc c'est pire. Ça va. Je pense que c'est un cheval qui va sauter des grosses épreuves. Après, on pense tous qu'on a des bons chevaux, on pense tous que c'est Théo. Non, je pense que c'est un très très bon cheval qui va sauter des gros grands prix. Après, ce qu'il va les gagner, ça je sais pas. On peut pas dire, après, de toute façon, c'est un peu le hasard aussi. Mais en tout cas, dans les épreuves qu'il fera, c'est sûr qu'il sera performant et c'est un très très bon cheval. Bah, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment amener les chevaux au niveau. On part des 4 ans, ça forme quand même très bien les chevaux, les 4 ans. D'abord les formations avant les qualifications, ça c'est bien, ça permet déjà, on va dire, un peu un échauffement, pas d'arriver là dans les qualifs directs. On sait qu'il faut quand même un nombre de points pour être qualifié à la finale, donc c'est vrai que quand tu arrives directement en direct, tu fais des qualifs, c'est un cheval un petit peu vert, tu es content d'avoir fait des formations avant. Mais 5 ans, 6 ans, ça amène quand même des hauts niveaux, regardez les 6 ans juste avant, c'était quand même un beau parcours, ça forme bien les chevaux, après les 7 ans, il y en a un là, c'est 1m40, c'est déjà pas mal, donc c'est très bien. Ouais, bah déjà les bases de Dalma, c'est lui qui a fait naître le cheval, ouais, ça fait un top cheval. Il ne faut pas hésiter à aller les voir pour utiliser Alto comme étalon. Un top cheval et puis tous mes partenaires, que ce soit GPA, Lambé, CWD, Alexandre Eiderman. Très bien, merci. Bravo. Observer la panne au limite.